All right, donc j'espère que ça fonctionne. Faites-moi signe si vous me voyez puis vous m'entendez, s'il vous plaît. Yeah! Une, deux... All right! Donc, on va donner 2-3 minutes aux gens pour arriver avant de commencer. Juste m'assurer que personne manque les explications de départ. Donc, 11, 13, ça marche. All right, tout le monde m'entend bien? Faites-moi signe si vous ne m'entendez pas. All right, ça marche. Good. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au live de lundi. Aujourd'hui, entraînement spécifique au test force, vous aurez besoin... Je me suis donné beaucoup de mal pour l'écrire à l'envers pour que tout le monde soit capable de le lire sur le tableau, donc je vous inviterai à vous référer au tableau pour ceux qui arrivent en retard, qui manquent les explications. Donc, équipement nécessaire, fortement suggéré, tenue sportive, évidemment avec des chaussures, bouteille d'eau, serviette, et pour aujourd'hui, vous aurez besoin d'un sac d'entraînement. Donc, sac de sport comme ça ici, poids suggéré entre 25 et 45 livres, question de mimer un peu les sacs de sable. N'importe quel type de sac fera. Beaucoup vont avoir un sac comme ça ici à la maison. Ça fonctionne très bien, je l'ai essayé cette semaine. Donc, sac au choix, charge entre 25 et 45 livres. Good. Donc, avant de débuter, je dois vous lire... le message ici que vous trouverez aussi dans la description du live, à savoir que en réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus, qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre condition physique et sa capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice et si ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF-98. Donc, dans le document, dans la description en fait du live, vous trouverez les liens vers le document « Mener une vie plus active » et la référence au site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice pour le trouver. N'hésitez pas, si vous avez des questions aujourd'hui, Benoît répondra aux commentaires. Sinon, pour moi, je ne sais pas si je me suis présentée, pour ceux qui ne me connaissent pas, Cynthia Gaudreau, monitrice de conditionnement physique à la Garnison Montréal. Donc, pour aujourd'hui, comme mentionné un peu plus tôt, vous aurez besoin d'un sac d'entraînement. N'oubliez pas de le remplir, 25 à 45 livres. Si ce n'est pas déjà fait, je vais vous laisser une minute pour le faire. Vous pouvez le remplir. Moi, j'ai mis du linge, des serviettes. Je sais que des livres fonctionnent aussi très bien. Donc, avec ce que vous avez à la maison, la charge, vous pouvez y aller au feeling aussi, pas nécessaire de peser votre charge pour aujourd'hui, ça va très bien fonctionner pour l'entraînement. Alright, donc je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de préparer son sac. On va commencer tranquillement avec l'échauffement. Puis plus tard, je vais expliquer l'entraînement en soi. Donc pour l'échauffement, on va s'activer. On va commencer tout simplement avec 15 jumping jacks. Allez-y mollo pour commencer. 3, 4, 5,
14 et 15. Alright, lorsque c'est fait, on active le bas du corps, on va placer les mains derrière la tête. On y va avec des fentes avant pour commencer. On reste 2 secondes en bas. On en fait 3 comme ça de chaque côté. Super. Lorsque c'est fait, on prend les pieds plus larges. Les orteils sont légèrement tournés vers l'extérieur. On fait la même chose, side split squat, 3 par côté, 2 secondes en bas. Et 2. 3. 4. 5. Un petit dernier. Et 6, on garde toujours les mains derrière la tête, rapproche légèrement les pieds. On y va avec 5 beaux squats, pleine amplitude, 2 secondes en bas. Chercher les orteils, s'assure d'avoir les talons au sol, on garde les hanches bien larges, les coudes à l'intérieur des genoux, chest out, garde les orteils, on lève les fesses, on veut que ça tire à l'arrière de la cuisse, on redescend, on en fait 3 comme ça, en haut, un dernier, et on remonte. Super. Position push-up. On amène le pied droit à l'extérieur de la main. Donc, on vient à gauche, extérieur, intérieur, à droite, à l'intérieur, à gauche, à l'intérieur. Dernier de chaque côté, on vient à droite, à l'intérieur, puis à gauche, et à l'intérieur. Super, on prend la position push-up. On va y aller avec des push-up hands release. On en fait 5, donc on descend, pleine amplitude jusqu'au sol. Relâche les mains, on amène les mains au-dessus de la tête, reviens et on se relève. 5 répétitions totales comme ça ici, à votre rythme. 2. 3. 4. Et 5. S'installe ensuite à genoux. On place les mains en T. On va y aller avec un peu de mobilité pour le haut du corps. On amène l'épaule droite au plancher. Regarde vers la gauche. Pec stretch. Garde 2-3 secondes. Et switch. On en fait 3 de chaque côté. On revient à droite. À gauche. Puis droite. Et gauche. Super. Fais la même chose avec le grand dorsal. Pompe vers le plafond. En diagonale, du côté opposé. On ramène les hanches au-dessus des talons. Garde 2-3 secondes. Et switch. Et switch. Switch. Un dernier de chaque côté. Droite. Et puis gauche. Super. On se réactive. Pour la réactivation, on va y aller avec 5 push-ups, 10 squats, 15 jumping jacks, une seule fois la séquence. Donc, on s'installe et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3,
jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. All right, petite gorgée d'eau, une minute, puis je vous explique ensuite le circuit pour l'entraînement d'aujourd'hui. Donc, pour l'entraînement d'aujourd'hui, la façon que ça va fonctionner, ça va être très simple. On va y aller avec 3 rounds, 9 minutes par round. L'intensité et le niveau de difficulté va varier d'un round à l'autre en augmentant, ce qui veut dire que le temps d'effort va diminuer d'un round à l'autre. Pour le premier round de 9 minutes, la façon que ça va fonctionner, on va y aller avec un 40 secondes d'effort, 20 secondes de pause. On va faire 3 exercices différents qu'on va alterner un à la suite de l'autre 3 fois pour le total de 9 minutes. Donc, mon premier exercice, assez simple, on va y aller avec notre sac. On y va avec des squats. Donc, je tiens mon sac à la hauteur de la poitrine et j'y vais avec des beaux squats comme ça ici pour le plus de répétitions possible durant 40 secondes. Coup de cloche, 20 secondes de pause. J'enchaîne ensuite avec mon Romanian deadlift, ce qui veut dire mes genoux sont légèrement fléchis. Je pousse les hanches vers l'arrière, je descends le sac. Lorsque je sens que ça tire à l'arrière de la cuisse sans arquer mon dos comme ça ici, je relève. Le plus de belles répétitions possible sur 40 secondes. Dernier exercice. On y va avec des push-ups, hands released. Donc push-up jusqu'au sol, lève les mains, relève. Si c'est trop difficile, toujours possibilité d'y aller sur les genoux. Le plus de belles répétitions possibles en 40 secondes. Donc jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Alright, donc il ne semble pas y avoir de questions. On va débuter dans une dizaine de secondes. Je vous laisse vous préparer avec vos sacs. Alright, on se prépare et c'est parti! 20 secondes de fait, la moitié de fait. On continue le plus de répétitions possible. Il nous reste encore 12 secondes. Le repos s'en vient. Et pause. Pour le deuxième exercice, le Romanian deadlift, dans 5. Et c'est parti. On n'oublie pas de garder le bas du dos bien droit. On pousse les hanches vers l'arrière. Gardez le sac près des jambes.
On veut éviter de mettre trop de pression dans le bas du dos. Et pause. Troisième exercice, push-up and release. On se prépare. Dans 10 secondes. Lâche pas, ça va bien. Et break. Yes. On se prépare, on repart avec les squats. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Encore 15 secondes. Et 3, 2, 1. Break. Yes, sir, 20 secondes. On lâche pas, ça va bien. Est-ce que la moitié du premier round de fait? Prépare à partir avec nos romaniennes deadlift dans 3, 2, 1. C'est parti. Fais encore attention à notre dos. On garde le sac bien près des jambes. Encore 15 secondes. Et 3, 2, 1. Break. Bien sûr, troisième exercice, push-up and release. On se prépare dans moins de 10 secondes. On part pour le deuxième. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Yes, sir, et break. On lâche pas. Troisième round dans 20 secondes. Dernier 3 minutes. Prépare et dans 3, 2, 1, c'est parti. Encore 15 secondes. Trois, deux,
prépare pour le Romanian Deadlift. Dernière fois, dans 3, 2, 1. C'est parti! Secondes, la moitié de fait. Et break. Bien sûr, on lâche pas. Dernier exercice, push-up and release, dernière fois avant la pause. On se lâche pas, on se prépare. Dans 10 secondes. Et dans 3, 2, 1. C'est parti. Yes, sir, break. Donc, on se prend un 2-3 minutes de récupération, petite gorgée d'eau. On va commencer ensuite avec notre prochain round, un petit peu plus difficile, un petit peu plus intense, un peu moins long. Alright, donc j'espère que ça va toujours bien pour tout le monde. Ok, donc dans une minute, on va partir avec le prochain round. Prochain round, ce qu'on va faire, les exercices sont un petit peu plus challengeants, un petit peu plus spécifiques aussi à notre test force. Donc, premier exercice, on va y aller avec des sandbag lifts on the spot. Donc, je descends, ramasse mon sac, je l'amène, presse dans le vide, reviens, redescends. Ça, c'est pour mon premier exercice. Deuxième exercice, je prends mon sac dans les bras. J'y vais avec des side split squats. Donc, en contrôle, on pousse les hanches vers l'arrière. Et on alterne comme ceci en gardant les pieds fixes. Finalement, dernier exercice. Je me crée une ligne imaginaire au sol. Ce que je veux faire, rush on the spot. Donc, pile sur la ligne, on va au sol, on lève les mains et on fait ça le plus rapidement possible. Alright? Donc, encore une trentaine de secondes avant de partir pour le prochain round. 35 secondes d'effort, 25 de récupération pour un round de 9 minutes encore. Donc, on se prépare tranquillement. La pause est pas mal terminée. Donc, prépare dans 5, 3, 2, 1. C'est parti. Stand back lift on the spot. Attention de garder le dos bien droit. Encore 15 secondes. On a 25 secondes de récupération pour celui-là. On
se prépare mentalement pour notre deuxième exercice, notre side split squat. 1, c'est parti. Troisième exercice, je suis marche en deux spots. Je ne sais pas s'il y en a qui commencent à avoir chaud. De mon côté, je vous garantis qu'il fait chaud ici. On se prépare dans 10 secondes. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Encore 15 secondes. Et 3, 2, 1. Break. 25 secondes. On part ensuite avec le deuxième round. On lâche pas, ça va bien. Avec le sandbag lift en deux spots. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Même si on commence à être fatigué, on fait attention à notre dos, on force avec les jambes. Encore 15 secondes. La moitié du deuxième round de fait. On se prépare mentalement pour nos side split squats. On n'oublie pas, les pieds sont larges, les orteils tournés vers l'extérieur. On respecte l'alignement pour nos genoux. On se prépare et dans 3, 1, c'est parti. Secondes, on lâche pas, ça va bien. On se prépare. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Encore 15 secondes. Secondes de récupération. Dernier tour à notre deuxième round. On lâche pas, ça achève. Dernier 3 minutes.
prépare à repartir avec le sandbag lift. Et c'est parti. On fait toujours attention à notre dos. On force avec les jambes. Encore 15 secondes. Et 3, 2, 1, break. Deuxième exercice, troisième tour. On se prépare pour les side split squats. On part ça dans 5. Et 3, 2, 1. C'est parti. Seconde. Et 3, 2, 1, break. Descends, on lâche pas, reste un dernier exercice. On se prépare pour les rush on the spot. Suite de ça, on va se prendre un 2-3 minutes de récupération. On s'encourage, 35 secondes d'effort avant la pause. Et on se prépare. On part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. Et 3, 2, 1, et break. Yes, sir. Tu prends un 2-3 minutes de récupération, bois une petite gorgée d'eau. Il nous reste un dernier round. Donc, pendant qu'il nous reste encore 1 minute 30, 2 minutes de récupération, j'en profite pour vous expliquer le dernier round. Comme mentionné au début, toujours 9 minutes, on augmente l'intensité des exercices encore, diminue le temps d'effort. Donc, on y va avec un 30-30, 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération. Premier exercice, on y va avec notre sandbag lift, mais cette fois-ci, on ajoute le chauffe-eau. Donc, descend au sol, beau dos droit. Amène le sac à la poitrine. Chauffe-eau. Redescend au sol. Remonte. Chauffe-eau. Redescend. Et ainsi de suite pendant 30 secondes. Ensuite de ça, j'amène mon sac sur l'épaule. J'y vais avec des fentes arrière. Alterner. Celui-ci, j'y vais très lentement. Je m'assure de garder le corps bien droit. Je vais faire 5 répétitions avec le sac d'un côté, 5 répétitions avec le sac de l'autre côté. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez le tenir dans les bras tout simplement en bébé comme ça ici et y aller même principe en fente vers l'arrière. Finalement, mon rush on the spot,
Je l'intensifie un petit peu. Ce que je veux faire, j'imagine deux lignes cette fois-ci. Une ligne à ma droite, une ligne à ma gauche. Donc je pile sur la ligne, vais au sol, lève les mains, me retourne, fais la même chose de l'autre côté, en alternant les côtés comme ça ici, pour mon 30 secondes d'effort. Encore trois fois, on lâche pas, dernier 9 minutes d'effort. Donc s'il y en a qui n'ont pas chaud encore, on récipe sur le dernier round, c'est là que ça devrait arriver de mon côté. Ça fait déjà un bon 10 minutes que je suis essoufflée, que j'ai chaud. Donc je vous invite à me rejoindre à ce moment-là. Donc on se prépare. Notre pause est pas mal terminée. On part ça dans 5 secondes. Donc on se prépare. On part avec nos sandbags là dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Seconde, la moitié de fait. Et 3, 2, 1, break. Il y a ça, 30 secondes de récupération. On lâche pas, ça va bien. Il nous reste 8 minutes à faire. Pour le deuxième exercice, on y va avec nos fentes arrière alternées. On prépare notre sac et c'est parti. Alors, 3, 2, 1, et break. On se prépare pour nos rushs. Encore 20 secondes de récupération. Dans 10, on se prépare à partir. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Secondes de récupération. Deuxième tour du dernier round. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais commence à faire chaud. On lâche pas. Ça achève 6 minutes d'effort. On se prépare. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Et 3, 2, 1, break. Dans 15 secondes, on se prépare à partir avec nos fentes arrière. Et dans 3, 2, 1, et c'est parti.
Ça s'achève. On se prépare dans 5, 3, 2, 1. Et c'est parti. Et 3, 2, 1, et break. Yes, sir, dernier tour. Dernier round, dernier tour. 3 minutes d'effort. On ne décourage pas, ça achève. On se prépare à repartir avec les sandbag lift. Et dans 3, 2, 1, c'est parti. Encore 10 secondes. Secondes de récupération. Deux exercices à faire. On se prépare pour nos fentes. Par ça dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Dernier 30 secondes. On se prépare pour nos rushs. Passe ça dans 5, 3, 2, 1. C'est parti. S'étirer un peu ensemble en guise de cool down. J'espère que ça a bien été pour tout le monde. J'espère que vous avez quand même eu chaud. Donc, petite gorgée d'eau. On peut marcher un peu à l'intérieur du salon. Faire redescendre notre fréquence cardiaque. Bon, je sais si votre salon est aussi grand que le mien, vous tournez en rond pas mal. Donc, on va s'étirer un peu. On va s'installer au sol pour faire ça. On va débuter au sol. La jambe gauche fléchie, la jambe droite tendue. On tire les orteils vers nous. On se fait
fait très grand, le dos droit, on s'incline légèrement vers l'avant. Si on se rend aux orteils, on peut aller les chercher. Sinon, on va chercher l'arrière de la jambe, l'arrière de la cuisse. S'assure de garder le bas du dos droit. Donc, on veut que ça tire un peu à l'arrière de la cuisse. Maintiens la tension une trentaine de secondes. Donc, j'espère que ça a bien été pour tout le monde. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. S'il y a des membres des Forces armées canadiennes aujourd'hui qui ont participé à cet entraînement, n'oubliez pas, si vous vous êtes blessé, d'aller remplir votre CF98. Sinon, en espérant que tout le monde a eu du plaisir avec l'entraînement, que tout le monde a eu chaud. Donc, on relâche. On va aller tirer nos fléchisseurs de hanches. On va s'installer en position lunge. S'il y en a qui sont sur un plancher de bois à la maison, on peut installer la serviette, un coussin sous le genou arrière pour plus de confort. On engage la hanche vers l'avant. Lève le bras du côté de la jambe qu'on étire. On va maintenir la position une trentaine de secondes. On relâche. C'est la même chose de l'autre côté. S'il y a des choses qui ont moins bien été, mieux été, que vous avez des suggestions, commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On relâche. On va se réinstaller au sol. On va aller tirer notre quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Ce qu'on va faire, on amène le talon droit à notre fesse droite. On s'incline légèrement sur le côté. Puis on essaie de ramener le genou en ligne avec le reste du corps. On peut engager la hanche vers l'avant, le sentir plus au niveau de la cuisse. On relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Le prochain, on va se coucher sur le dos. On va aller tirer au niveau de notre bandelette. Pour faire ça, on va amener la cheville droite sur notre genou gauche. Si on est capable de se rendre plus loin, l'amener au niveau de la hanche gauche, on y va. On tourne le bassin pour ramener le talon droit au sol. Gardez les épaules bien détendues, la tête au sol. On vise qu'à pointer le genou vers le plafond. Bien important avec les étirements comme ça ici, c'est de respecter notre corps, respecter l'amplitude qu'on est capable d'aller chercher.
On veut éviter de tomber dans une zone où il y aura de la douleur. On veut sentir une tension seulement. Tension qu'on maintient 30-45 secondes. Tranquillement, on relâche. Fais la même chose de l'autre côté. Donc, la cheville gauche le plus près possible de notre hanche droite. On ramène le talon vers le plancher. Pointe le genou vers le plafond. Garde les épaules, la tête bien détendue au sol. Comme là, on respecte notre corps, on respecte notre amplitude. S'il y en a pour qui le talon ne se rend tout simplement pas au sol, c'est correct. Et on relâche. On va y aller avec un petit dernier pour aujourd'hui. On va s'installer à genoux. On s'assure d'avoir les orteils ensemble. On laisse un peu de place entre les genoux. Ce qu'on veut faire, c'est aller porter les mains le plus loin possible vers l'avant. On laisse tomber légèrement la tête entre les bras. On reste détendu. Respire profondément. Et on relâche. Donc, c'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. J'espère que vous avez eu du plaisir. Comme mentionné un petit peu plus tôt, n'hésitez pas à nous poser vos questions, laissez-nous vos commentaires, suggestions peut-être pour la prochaine fois. Il y a des lives avec nous sur le site PSP Région Montréal tous les lundis et mercredis à 11h. Donc, suivez-nous pour les entraînements. Sinon, WOD présenté à tous les jours. Je vous souhaite une excellente fin de journée tout le monde. Puis, that's it pour aujourd'hui.